16-4 quand même là. Ah, c'est bien un truc aussi qui me passionne vraiment à la période automnale comme ça, c'est de me fixer des objectifs. Donc Splando se situe dans le département des Vosges, donc un très très joli département qui se prête très bien à la pêche de la carpe. Et c'est vrai que les décors là pour la période automnale sont vraiment superbes. On prend beaucoup de plaisir à être ici et c'est vrai que déjà au bout de quelques heures, on se dit que ça va être vraiment ressourçant sur cette session. L'automne, on le sait tous, hein, c'est la période où les poissons sont à leur top poids. Les couleurs sont magnifiques, les gros poissons sont censés passer à table. Donc ouais, j'espère vraiment avoir de la chance cette fois. En tout cas, ma stratégie va vraiment se baser là-dessus. Je pêche une partie du plan d'eau que je connais pas du tout. Parce que là, en fait, visiblement, c'est beaucoup moins profond que sur l'entrée. Donc je vais essayer vraiment de repérer un petit peu des zones propices pour intercepter les poissons. Et ce que je vais essayer de faire, c'est ouais, de mettre des appâts. Hein, parce qu'en théorie, voilà, elles sont censées vraiment commencer à préparer l'hiver. Une approche fortement basée sur de la bouillette. Amorcer assez large aussi pour que je puisse pêcher au moins 2 cannes, peut-être 3. Je vais voir si c'est possible en fonction de ce que je trouve. Ce que je garde vraiment aussi en tête, c'est que je ne vais pas pêcher 4 fois une nuit, mais vraiment 4 nuits consécutives dans le but de construire quelque chose. Et ça, c'est très important parce que, parce qu'on n'approche pas la pêche de la même façon, tout simplement. Donc là, ce que je vais essayer de chercher en priorité, c'est déjà une zone peut-être un peu plus meuble parce que je sais que voilà, c'est principalement constitué de tourbe, en fait, le fond ici. Et je vais voir voilà, si sur ma zone, il y a quelque chose qui peut retenir mon attention justement et faire en sorte de pouvoir dresser une table pour les carpes et de les intéresser sur la durée. Alors c'est vrai qu'ici, pour les pêcheurs locaux, en fait, ils ont pris l'habitude d'utiliser systématiquement les barques, notamment parce que déjà d'une part, pour accéder au poste, il n'y a pas de voiture, donc il faut obligatoirement prendre soit un Zodiac, soit les barques qui sont sur place. Et du coup, ça a entraîné un certain stéréotype au niveau de la pêche, puisque les pêcheurs locaux en fait, utilisent systématiquement les barques pour déposer les montages, pour amorcer, pour sonder, ce qui, à mon sens, crée quand même pas mal de nuisances sonores. Et à force, je pense que les poissons s'y sont habitués, pas forcément bien de ce côté-là. J'ai 1,70 là, 1,80, ça descend encore un peu. Par contre, ça contraste complètement avec l'entrée, parce qu'à l'entrée, j'avais 3,50 m de mémoire. Là, j'ai 1,80. Je suis peut-être pas collé dans le lit de la rivière. En tout cas, 16,3 degrés, je pensais que c'était quand même beaucoup moins que ça déjà. Donc, après, c'est le moins profond, donc ça, théoriquement, ça s'est réchauffé plus vite aussi ici, avec le soleil des derniers jours. Là. Après, ce qui est toujours intéressant de pêcher aussi, c'est la jonction entre les deux. Hein. Si vraiment j'arrive à trouver une délimitation entre du dur et... Ouh, là, c'est poisson, ça. Ça, c'est poisson. Hein. Après, c'est quand même, il y a très peu de différence. Hein. Il y a 30 à 40 cm de différence sur toute la zone. Ouf, poisson qui a sauté là-bas dans les obstacles. Ce que je vais faire, je vais quand même me conforter là-dedans avec la canne marqueur, juste pour avoir la sensation. J'aime bien quand même. Ça colle, mais en même temps ça glisse et c'est partout pareil quoi. Un peu plus à gauche. Je peux pas m'empêcher en fait d'utiliser une canne, surtout quand c'est à portée de lancer comme ici. Ouais, il y a du bruit. Hein. Par contre, ça pue pas. Pour avoir la sensation en fait, ici, histoire de gratter un peu le fond, voir de quoi est constitué le substrat. Et quelque part, je pense que voilà, dans ma tête, ça me rassure et je me dis que les montages seront pêchants sur la zone où j'aurais décidé de pêcher en fait. Ouf! Là, il y a une bande. Ah, il y a du débris. Hein. En plus, les plombs avec les picots, là, ça ramasse tout. Des fois, tu as un peu d'air de vase ou quoi, même si c'est pas trop la période. Là, mais c'est du dépôt, hein, c'est de la tourbe. Après, c'est là que les gros poissons, ils aiment manger aussi. Hein. Pas avoir peur de pêcher dans la merde. Il y a des zones qui sont un peu plus lisses, où la tourbe, on va dire, est un peu plus ferme, donc potentiellement plus intéressante à pêcher. Mais voilà, en grande partie, à 95%, en fait, c'est de la tourbe sur ce plan d'eau. Pouah, ça saute là-bas, en pleine eau. Hein. Ah, je l'ai vu, là. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de nourriture naturelle dans cette tourbe.
Et c'est ce qui explique justement voilà, la croissance assez exponentielle des poissons qui abritent, qui logent en fait dans ce lieu. Plus d'eau là. Il y a plus d'eau là. Donc le seul truc qui m'inquiète, c'est pour pouvoir lancer en fait après. Ah ouais, ouais, ouais. C'est bien plus lisse là quand même. Hein. J'ai pêché ici déjà par trois fois dans le passé. Par contre, vraiment sur l'extrémité basse du plan d'eau, où on a beaucoup plus de fond en fait. Même si on se rend compte qu'au final, la topographie des fonds est relativement semblable. C'est de la tourbe, il y a très peu de différence de substrat. Et ce qui va faire en sorte en fait de concentrer les poissons, à mon sens, et ce qui a marché par le passé en fait, c'est le fait d'amorcer de façon assez concentrée et de placer des lignes sur les mêmes spots. Amorcer large jusqu'à la pointe du ponton là. La barque. Hein? La barque. Oh merde. Ouais, donc là pour aller plus vite et surtout aussi pour un souci de discrétion parce que il y a encore moins d'eau que ce que je pensais. Je prends l'embarcation pour tout de suite aller amorcer bien largement sur ma zone. D'une, je vais gagner du temps et puis ça va me permettre de mettre en place les cannes beaucoup plus rapidement là. Et par contre, ce que je vais faire, clairement, je sais que enfin voilà, le sbomb ici c'est rédhibitoire, elles n'aiment pas du tout. Je pense que le fait qu'il y ait une très faible profondeur, ça joue beaucoup. Donc très certainement cette nuit, je vais utiliser le bait boat, je pense, pour redéposer les cannes si jamais j'ai une touche. Et là, du coup, un petit mélange, ouais, j'utilise un petit mélange en fait constitué majoritairement de bouillettes. Mais pour pouvoir accélérer un petit peu en fait, le processus et faire rentrer les poissons plus vite, j'ai mis un peu de graines, des graines diverses, un peu de maïs, un peu de tiger, un peu de graines concassées aussi pour faire venir pas mal de poissons blancs. Et en général, voilà, ça permet de lancer les coups plus rapidement et de créer de l'activité tout simplement. Ensuite, plus la session va avancer, plus je vais réduire les quantités de graines pour mettre plus de bouillettes dans l'optique de, je l'espère, sélectionner les plus gros poissons. Donc là, j'arrive sur le coup, c'est pas mal. Alors l'éco-sondeur, c'est un dispositif que j'utilise très peu au final. Hein. C'est vrai que voilà, j'aime quand même avoir la sensation, le feeling en sondant du bord avec une canne, une bonne tresse. Pour dégrossir par contre un spot ou un poste que j'ai jamais pêché au préalable, ça va m'aider à gagner du temps. Je vais commencer en fait avec trois cannes assez resserrées sur une zone en disposant des appâts. Dans l'optique que les poissons en fait vont être attirés par mon amorçage et donc concentrés sur cette zone en question. Il pleut un tout petit peu. Je pense que c'est vraiment les conditions météorologiques là qui sont parfaites pour un début d'automne. J'espère juste que les poissons vont mettre la tête dedans maintenant. Voilà, ça fait un bon bucket. Ça devrait être pas mal, on va commencer comme ça. Donc ça y est, les trois cannes sont en place. Ça, c'est vrai que la première journée comme ça, on se bat toujours un peu contre le temps. Surtout que là, je connais pas trop le poste, cette partie du plan d'eau. Donc j'ai quand même dû passer un petit peu de temps sur la barque, passer l'éco-sondeur, sonder un petit peu à la canne parce que c'est important d'avoir le feeling à la canne aussi. Et puis je me suis rendu compte en fait que c'est très plat. J'ai pris la décision en fait de mettre les cannes sur un tas d'appâts pour cette première nuit. Le temps a bien changé, il pleut. Je pense que ouais, c'est le temps parfait pour un début d'automne, pour essayer d'inciter un ou deux poissons. Donc ouais, confiant pour la première nuit, je pense que ça va le faire. On a le grand luxe pour cette session, un petit chalet en dur, voilà, en plein sur le poste. Il n'y aura pas de risque de ce côté-là, on est plutôt bien. Moi, ce qui me fait toujours peur en début d'automne, c'est vraiment les hautes pressions, les journées où il y a un gros ciel bleu, pas de vent. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. On a la chance d'avoir le temps qui tourne un petit peu, qui est gris. Hein, voilà, ils ont prévu un peu d'averse, des choses comme ça. Donc non, clairement, au niveau de la météo, on est bien. L'eau est encore à 13-14 degrés. C'est parfait aussi hein, pour un début d'automne. Les poissons doivent s'alimenter. Donc, il n'y a plus qu'à attendre qu'elles mettent la tête dans les appâts et qu'on espère croiser un beau poisson, ce serait top. Il est 4h40 là, et je viens de me faire extirper du duvet par un beau départ. Et c'est la canne du milieu vraiment en plein sur le coup, donc ça c'est aussi un bon point. Yes!
souvent la première qui est la plus dure à déclencher. Là, je suis content, première nuit. Ah, c'est pas vilain en fait. Hein. Hop. Ah, une belle commune là. Ah, c'est vrai que par expérience en fait sur ce plan d'eau, j'ai remarqué que la première nuit était toujours compliquée à mener. Les poissons mettent un peu de temps à rentrer sur les appâts. Mais ouais, là, cette première nuit avec deux touches, elle me contente vraiment. Je suis vraiment content. Parce que... oh, c'est une belle commune. Ouh, il va faire jour dans pas longtemps. Deuxième poisson, première nuit. Franchement, j'en espérais pas tant. C'est quand même un plan d'eau qui est assez difficile en temps normal. Et là, de faire deux poissons la première nuit, comme ça en fin de nuit, je pense que c'est un de mes meilleurs départs. Cette belle commune là, du coup, est arrivée juste avant le lever du jour. J'ai pris une autre miroir un tout petit peu plus petite. Je pense que, ouais, peut-être un kilo en moins. Mais bon, c'est la moyenne pour ce plan d'eau. Hein. Autour de 17-18 kilos, c'est des poissons assez communs, j'ai envie de dire. Encore une fois, un petit bonhomme de neige classique, hein. Une petite spicy crab, une pop-up gouée avec le goût no name. Elle a vraiment, celui-là, il a vraiment un attrait tout particulier sur les communes. Et ouais, c'est vraiment un début très prometteur. Deux poissons en fin de première nuit, là. C'est un résultat qui est très honorable hein, pour ce lieu et je pense, voilà, j'ai l'intime conviction en fait que l'approche que j'ai mise en place, c'est la bonne. C'est une quasi-certitude. Par contre, voilà, j'ai pris le parti de remettre les cannes dans la foulée au bait boat en fait. Je suis quasi persuadé en fait que j'ai pas remis assez d'appât et c'est ce qui fait que, voilà, depuis ce matin, depuis le lever du jour, il n'y a plus trop d'activité. J'ai pas réussi à décoller, à grappiller une touche là sur la journée. Alors après, c'est vrai qu'aussi qu'avec l'expérience, je me suis rendu compte au fait au fur et à mesure des années que l'automne, voilà, il y avait beaucoup d'activités le matin, la nuit. C'est vraiment ces heures-là où les poissons passent à table. Mais je vais quand même changer ça, donc déjà remettre des appâts ce soir. Et si demain ça a du mal à décoller au lever du jour, je vais ramorcer plus tôt, justement voir si ça peut avoir une influence, un impact. Pour essayer de déclencher une touche de journée, ce serait vraiment bien. Par contre, aujourd'hui, on profite vraiment pleinement du cadre qui nous est offert là. À début d'automne, les couleurs sont super belles. Ouais, je pense qu'il n'y a pas plus ressourçant. Et pour essayer de capturer une grosse carpe là, le cadre ici prête à merveille. Oh, tu crois qu'on va trouver quelques cèpes encore, Elias? On va voir ça hein, avec un peu de chance pour ce soir. Ça va être pas mal ça. Ça passe là? Ouais, je pense. C'est bon, c'est intéressant quoi. Qui dit automne, dit champignon. C'est une fourchette, tu vois, ça se mange, mais c'est pas ouf. Tu vois, pour voir s'il s'enferme, je prends comme ça. Oui. Là, ici, là, tu sens qu'il est déjà. Tu vois, il est ferme, tu vois. Pff, c'est véreux, déjà. Ils sont trop vieux, tout est pourri. C'est la fin, c'est. Ouais. Ça sent la bonne poêlée pour soir. Beau les pieds rouges, Sep. Ah bah ça va être gueuleton ce soir. On va être pas mal là. On va être bien. Oh, joli ce soir là. Petit ciel rosé là. C'était coupé? Ouais. Un peu. Allez, coupe le couteau là, attention. Hein. Celui-là il est beau, hein, il est bien ferme. C'est plus
sais, même si tu les saisis, même si tu les colores, ils vont quand même relâcher la flotte, mais... Dans mon petit sac, il y a la windshield, là. Voilà, deuxième nuit poissonneuse encore une fois. Tout comme la première, deux touches. Malheureusement, j'en perds une, je m'en veux encore d'ailleurs, mais bon, c'est des choses qui arrivent, hein, tout simplement. Mais ouais, je suis très content avec cette deuxième commune là. Encore un beau poisson, bien. Ouais, elle doit faire à peu près 17 kg, je pense. Deux touches par nuit, je signe, c'est très bien. Par contre, je vais essayer de faire en sorte qu'elle finisse au sec si ça peut continuer. Ouais, je suis un peu mitigé là pour le moment. C'est vrai que en fait, ce qui me perturbe un petit peu, c'est que les deux touches que j'ai eues cette nuit, je les ai eues sur une canne que j'ai mis à l'écart du cou. Donc je sais pas trop en fait si j'ai mis trop d'appât peut-être hier. C'est une possibilité. J'ai besoin de laisser passer un petit peu voilà, la journée, voir un petit peu si ça bouge un peu là pendant les heures de la journée. J'ai honnêtement un sérieux doute là-dessus parce que l'activité elle est clairement nocturne, hein, en fin de nuit on l'a remarqué. Les grosses phases comme avant elles sont quand même moins marquées. Ah oui. Ça fait quelques années de toute façon, moi je les remarque plus. Je pense que la météo y est pour beaucoup, mais. Moi je préfère le printemps maintenant. Pareil. On va dire que ce n'est pas une situation de pêche qui est facile à gérer, puisque en faisant une erreur, quelque soit, hein, si je mets trop d'appât, si j'en mets pas assez, ça peut ruiner toutes mes chances. Donc là, je vais vraiment me poser un petit peu, réfléchir, voir ce que je vais faire au courant de la journée, et peut-être réajuster davantage la pêche aussi. Ce que j'ai utilisé, en fait, c'est des haches qui sont quand même fortement boostées au goût, même sur l'amorçage, avec les petites pop-up. Qui sont placés au-dessus de la bouillette dense. Donc en théorie, s'il y avait des poissons qui passaient sur l'amorçage et qui consommaient pas trop d'appât, en théorie, elles sont censées ramasser ça en premier puisque la pop-up est boostée et elles sont censées se diriger là-dessus en priorité. Par contre, ouais, j'ai pas la confirmation de ça à l'heure actuelle et le fait, encore une fois, de ne pas avoir fait de touche cette nuit sur la zone amorcée, ça me met un petit peu en porte-à-faux là. Bien les gars. Est-ce que je vais réussir à la cintrer? J'avais une chance en Allemagne. Santé. Salut. Et on pense à toi, hein, caméraman. Hein. Santé. Il fait bien plus froid là ce soir. Bon bah tout comme la journée d'hier, ça a été très calme aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas le temps qui se prête vraiment à des belles pêches d'automne en pleine journée. Soleil, pas de vent, haute pression, tout ce qui est vraiment détestable à cette période-là de l'année. Hein. Donc on a passé un petit peu de bon temps avec Maxime qui est passé nous voir quand même, ça a été cool. Il nous a ramené un petit plateau de fruits de mer, une petite bouteille pour fêter la naissance de son petit, donc ouais, c'était bien cool. Par contre, côté pêche, très calme. C'est pour ça que j'ai quand même un petit peu tergiversé là du coup pendant l'après-midi. Je me suis posé quelques questions. Et j'ai pris la décision en fait de déplacer deux cannes. Attends, je sais pas. Je peux rajouter un mètre sur celle-là. Donc de laisser plus qu'une canne en fait sur le coup qui est amorcé depuis le départ. Parce que j'ai pas fait de poisson dessus cette nuit. On va mesurer déjà, parce que ça c'est sur le jaune.
J'ai pris les poissons, en fait, les deux touches sur une canne qui était à l'écart. Donc là, il n'en reste plus qu'une sur l'amorçage et j'en ai dispatché deux autour pour essayer de voir s'il y a des poissons qui gravitent autour, en fait. Hein. Donc on verra cette nuit. Ce qui est sûr, c'est que là, il fait bien plus frais ce soir. Je pense que cette nuit, on va le ressentir. Mais j'espère juste voilà, que ça coupe pas l'appétit des poissons et que, tout comme les deux premières nuits, il y a un petit peu d'activité. Là. Ah, elle a tourné à gauche là je pense. Si elle continue comme ça, ce serait pas mal. Loin des autres lignes. Je crois que c'est en dessous des cannes là. Bien souvent en automne, une fois que la pénombre s'installe, ça se réveille. Pour démarrer cette troisième nuit, c'est cool. Une miroir de 15,5 là, cette fois-ci sur le coup de nouveau. Donc malgré le fait que j'ai un petit peu changé ma stratégie et surtout la disposition des cannes, il fallait absolument laisser une canne sur le spot de départ. Et il se réveille. Beau poisson. Allez, maintenant, va me chercher ta grande sœur. On a longtemps espéré une touche de jour là. Comme je le disais sur le poisson hier soir, après c'est assez caractéristique en automne. Bah, l'activité arrive une fois que la pénombre est installée. Et là, bon, grosse brume ce matin. Vraiment, vraiment temps nuageux, vrai temps d'automne. Et première touche de journée aussi, donc ça fait plaisir. Allez cocotte, lève la tête. On est juste et elle est cuite. Yes! Ah yes, enfin! Une belle femelle là. Pris ce matin au lever du jour. Belle récompense, vraiment le genre de poisson que je suis venu rechercher. C'est clairement la récompense parfaite de l'automne. Après une série de poissons, elles sont vraiment rentrées en activité cette nuit. Là, c'est cette belle miroir qui vient clôturer le bal au petit matin. Ah, là, je suis refait. L'automne, c'est une période en fait qui n'est pas forcément facile à aborder. On a tous connu, et moi le premier, les boulimies en fait des périodes automnales d'il y a quelques années parce que la météo était vraiment propice à ça. Mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est tellement changeant. Il y a tellement de paramètres qui peuvent influer en fait sur le comportement des carpes et notamment sur les phases d'alimentation que j'ai tendance quand même à être très précautionneux à ce niveau-là. On peut toujours en rajouter, c'est ce que je dis toujours, mais jamais en enlever. Si par chance, en fait, on tombe dans ces périodes-là qui sont, à mon sens, de plus en plus courtes, il faut être en mesure de proposer aux poissons des appâts sur la zone pour pouvoir les garder. Au bout de la première nuit, j'avais fait deux touches en fait sur mon coup principal et je me suis dit, bah tiens, les poissons doivent s'alimenter, donc je vais forcer un peu plus la dose au niveau de l'amorçage. Malheureusement, ce qui s'est passé la seconde nuit, donc on l'a vu, j'ai touché uniquement deux poissons sur une canne à l'écart. Et par conséquent, avant d'aborder la troisième nuit, je me suis dit, ok, je ne vais plus rajouter d'appât sur cette zone principale. Je vais uniquement redéposer une canne dessus. Et cette nuit, elle m'a reproduit un poisson. Donc il y a du passage, elle s'alimente. C'est pas, pour moi, pas très clair. On est plutôt dans une période de transition en fait, en sortie d'été. Voilà, on est en plein dans l'automne, hein, mais il ne fait pas encore vraiment très froid. Et je pense que les poissons sont encore un petit peu dans une période d'attente avant de rentrer justement dans cette grosse période boulimique. Ce
ce soit en automne ou à n'importe quelle période de l'année, j'ai, je dirais aujourd'hui, trois montages que j'utilise vraiment dans la majorité des cas. Et dans une situation comme celle-ci, où voilà, le fond n'est pas très dur, ma seule préoccupation, en fait, c'est de m'assurer que mon montage est bien positionné et que mon neige est bien présentée. Pour ça, il y a une chose qui est certaine, c'est que le montage hélicoptère, c'est vraiment ce qui est le plus adapté. Et là, depuis quelques temps, voilà, depuis qu'il y a les Boom & Loops, c'est vraiment le montage que j'affectionne particulièrement. Il y a l'aspect anti-emmêlement, il y a l'aspect anti-éjection. Et c'est un montage, en fait, que les poissons ont vraiment du mal à manipuler. Et pour ce montage, alors mon petit favori, voilà, surtout en ce moment, c'est le chlore. C'est un hameçon super polyvalent, il n'y a pas besoin de rajouter de gain thermo ou de micro-anneau, toutes ces choses-là. L'hameçon se suffit vraiment à lui-même et un petit morceau de très souple en dessous du boom, c'est vraiment parfait pour t'en tirer vraiment pleinement les parties mécaniques. Le fait d'avoir perdu un poisson, c'est pas problématique, je dirais c'est normal. Et en tout cas, ouais, le reste a été parfaitement bien piqué et a terminé au sec sans aucun problème. Dernier soir, l'ambiance là est vraiment particulière, c'est vraiment... l'ambiance d'automne, quoi. C'est mystique, la brume commence à tomber. On entend juste les oiseaux, quelques poissons qui sautent au loin, là. Du coup, ouais, plein d'espoir pour la dernière nuit. Forcément, la session est réussie, ça c'est une certitude, mais si on arrive encore à piéger un gros poisson, ce serait le top, hein. Après, c'est l'ambiance qui pousse à ça aussi, hein. On essaye de se mettre à fond dans l'ambiance et de tirer vraiment pleinement parti de tout ça. Ah, oh, c'est pas gros, c'est sûr, mais trop de coups de tête. Par contre, là, pour replacer la canne, mec, c'est impossible. C'est le dernier matin là, je viens de regarder l'heure, il est juste un peu moins de 7 heures. Donc, le jour va pas tarder à se lever. Et ça risque d'être la dernière, je pense. Il y a du vent par contre. Hein. Du sud là. Le jour va se lever gentiment là, le temps de boire un café et puis on pourra présenter le poisson juste après. Ah, allez, dernier poisson pour cette session au dernier matin. Encore une fois, on a une ambiance vraiment automnale là, beaucoup de brume. En tout cas, j'ai passé une super session, des super poissons, différentes morphologies aussi et ça se termine super bien. Il y a juste qu'une chose, j'ai hâte de revenir.